Je vais vous parler de scalabilité en fait. Je vais vous parler de scalabilité parce qu'en fait, du coup, comme je l'expliquais, ça c'est mon job de tous les jours. Et c'est un job qui est assez cool parce qu'avec Clever Cloud, notre objectif, enfin, et notre métier, c'est de faire en sorte que les applications de nos clients, qu'elles soient en Node, en Java, en Scala, whatever else, en fait, à peu près tout sauf du .NET, rapport à la licence, hein, je suis pas du tout, j'ai pas de religion, moi. Tiennent debout. Et en fait, vous en rendez pas compte, mais en tant qu'hébergeur, c'est régulièrement qu'on se dit putain, c'est pas possible. Et du coup, on a un certain nombre de bonnes pratiques et de choses qu'on a fini par faire émerger. Donc, ça veut pas dire qu'on supporte que les bonnes pratiques, parce que c'est, enfin, il faut rester ouvert. Mais il y a un certain nombre de bonnes pratiques qu'on essaie de répandre et expliquer aux gens pourquoi on fait des trucs ou pourquoi on fait pas des trucs. En fait, vous avez deux visions. Vous avez besoin de... Ah ouais, carrément. Lui, il veut vous parler de SoulStack en Python. Vous êtes beaucoup mieux ici, ça. Donc quand vous avez besoin de prendre de plus en plus de requêtes, de plus en plus de charges, à un moment, vous avez principalement deux chemins. Le chemin qu'en général les gens suivent, c'est qu'en fait, ils font un truc qui est de plus en plus gros et qui devient assez rapidement un peu weird. C'est-à-dire que, ah, j'ai plus de ressources, c'est pas grave, rajoute 4 gigs de RAM. Ah, j'ai plus de ressources, rajoute 18 gigs de RAM. Ça, en fait, tu fais grossir une seule instance. C'est complètement triste, c'est un spoof, ça pose des problèmes. C'est gros, mais ça finira très très mal. Par exemple, ça. Vous avez une autre solution qui est d'essayer de faire en sorte de répartir le risque et de créer une équipe de software qui bosse ensemble de façon à faire travailler les choses bien. Il est bien sûr complètement possible de se dire qu'on peut créer une équipe de gros software. C'est pas incompatible. Croyez-moi ou pas, j'ai trouvé cette image en tapant Power Rangers dans Google. Les mecs ont des fantasmes de Power Rangers qui sont musclés. Donc en fait, ça c'est la différence réelle qu'on doit dire entre scale up, où on a une putain de grosse instance qui va grossir, exploser, qui a un single point of failure, qui est vraiment chiant à maintenir. Quand on doit mettre à jour, ça pose beaucoup de problèmes. Il y aura toujours une limite. Et c'est une façon de penser qui est court terme. Ou alors, ce qu'on appelle le scale-out, qui est la capacité à avoir plein de workers qui bossent tous ensemble, il n'y a pas de spoof, la vie est belle, c'est plus simple de grossir. Moi, je suis bon à grossir. Et surtout, ça va vous introduire plein de bonnes pratiques au sein de votre code. En fait, très concrètement, si vous choisissez la règle de scale-up, il y a un moment où vous allez vous faire rattraper. Ça tient pas sur le long terme. Il y a un moment, ça va merder, vous allez pleurer. Donc, il faut absolument que vous vous mettiez dans une idée qui est how to scale out. Ok? Donc là-dessus, il y a quelques faits qui sont simples. La première chose, c'est que vous devez, une bonne fois pour toutes, faire une division carrée entre ce qui est du storage et ce qui est du process. Il y a du code et il y a de la data. Et ça, vous devez vraiment être hyper clair dans votre code là-dessus. Parce que il y a beaucoup de choses que les gens pensent que c'est du code qui sont en fait de la data. Le code, c'est uniquement une recette de cuisine. Si vous prenez un batteur à œufs, le batteur c'est le code. Les œufs montés en neige, c'est la data. Et du coup, quand vous laissez les œufs à l'intérieur de bordel, c'est pourri comme métaphore. Mais vous avez besoin en fait de vous débarrasser à un moment du batteur à œufs. Et ça impose une vision qui est ce qui est important, c'est que tout doit être sans état. En fait, vous devez pouvoir prendre n'importe quelle machine de votre ensemble d'applications. C'est un clone de celle d'à côté. Et comme ça, vous en ajoutez une qui est un clone. C'est la guerre des clones et basta. Et en fait, vos machines ne doivent pas avoir de data dessus. Elles doivent taper sur des services qui fournissent la data. Elles doivent être conçues pour être simples à remplacer. Une balle dans la tête, on en génère un autre, fin de l'histoire. C'est des clones. On ne s'attache pas. Elles n'ont pas de petit nom. C'est un truc chez Clever. Les machines, elles n'ont pas de petit nom. Dans toutes les boîtes, il y a Léonardin. Bon, les boîtes qui les ont nommées avec les Pokémon ou alors les héros Marvel. Non, ça n'a pas de petit nom, c'est une machine, c'est là pour processer de la data, c'est un engine, c'est fin de l'histoire, c'est stateless. Et du coup, vous devez considérer beaucoup plus de choses comme des data. Effectivement, tout ce qui est user data, user account, files, vous commencez à voir que c'est de la data, bon, on va en reparler des files.
Les sessions, c'est de la data. Laisser vos sessions se trimballer dans une HMAP ou dans des fichiers qui traînent sur le disque dur, c'est pas possible, les mecs. Et surtout, les putains d'events. C'est-à-dire qu'un événement, c'est une data. Il y a combien de gens qui ont des codes à rallonge parce que un event fait 2000 trucs, va faire un exec sur le disque dur, remonte jusqu'au mec. C'est pas possible. Vous devez pouvoir loguer les événements qui sont produits chez vous. Loguer les événements, c'est un produit passé par une queue, etc. Et donc vous devez considérer le maximum de choses comme étant de la data, parce que tout ce qui n'est pas du code est de la data. C'est relativement simple. Les choses sont soit là, soit là. Et pour ça, vous devez absolument faire confiance à des middleware. En fait, c'est pas très compliqué. D'un côté, vous allez avoir les choses qui vont être votre com, et de l'autre côté, vous allez avoir des contraintes et des garanties fournies par des middleware. Si vous avez une base de données qui vous garantit l'acidité de la base et le fait que les requêtes vont avoir lieu les unes après les autres et que c'est atomique, vous lui faites confiance, fin de l'histoire. Si vous devez faire de la computation et que vous passez par une queue d'événements, c'est pareil, vous lui faites confiance au bordel. Il va vous fournir des garanties mathématiques. RabbitMQ, ça marche très bien. C'est utilisé par le comité interbancaire américain pour savoir à qui on doit filer du blé. Ça a été bêta testé dans tous les sens, ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. Et pourquoi vous devez faire confiance à ce middleware là? Parce que vous, votre job, c'est de pondre du code métier. Vous devez vous focaliser sur ce qui est important pour le tool ce que vous produisez. Et en fait, pour faire ça, il est important que vous preniez uniquement les contraintes qui sont intéressantes. Ne jouez pas à savoir si un événement a été lu ou pas lu dans votre code, c'est pas votre job. C'est le job de l'event worker, de l'event broker. L'event broker, il va vous dire ce message-là, il a été traité ou pas traité. C'est pas à vous de reconnaître ça. Vous avez des middleware et des protocoles qui font très bien, c'est pas votre taf de le faire. Sinon, vous êtes en train de vous prendre la tête et de mélanger votre code métier avec du code de fonction. Basiquement, qui utilise déjà AMQP? Cool. Qui utilise Celery en Python? Ok, no one. 0MQ? Redis? Faut qu'on parle un truc à propos de Redis. Redis comme event broker, alors c'est cool Redis, j'adore Redis, y'a pas de problème, etc. machin, je sais que j'ai défoncé des fois, mais j'ai pas de problème avec Redis. Juste un truc, Redis comme event broker ne vous garantit pas la livraison des événements. RabbitMQ, il vous garantit qu'il va livrer l'événement. Alors, si vous lui demandez, il va garantir qu'il vous livre l'événement. Redis, il ne vous la garantira jamais. Prenons un exemple simple. Vous êtes une plateforme de Bitcoin. Et vous faites du transfert de Bitcoin de l'un à l'autre. L'événement, ah c'est bon, j'ai fini de transférer, bah en fait il n'est jamais lu, vous dupliquez de l'argent. Ou pire, vous en supprimez. Ça, c'est arrivé. En fait, les mecs de MTGOX, en plein pendant leur premier crash, ils posaient des questions sur Stack Overflow qui étaient comment on fait pour démarrer le moteur transactionnel de MySQL. Ah, on vous a pas dit. C'est les mecs, ils faisaient de l'argent sans transaction. Des barrés. Faites très attention à ça avec Redis, c'est qu'il garantit pas la livraison des événements. Donc si votre événement, en fait, il est pas important, c'est pas un problème. S'il est important, il faut que vous mettiez un autre message broker. Qui utilise JMS? Qui est heureux d'utiliser JMS? C'est ouf, hein, ça. Il y a très peu de gens qui aiment JMS, alors que c'est là que je prends bien cette technologie. Mais ouais. Et même si vous avez rien d'autre à foutre, à la limite, balancez des HTTP chunks ou des WebSockets. Nous, on a fait une grosse appli une fois, ça tenait que avec des WebSockets qui se répondaient les uns les autres. C'était très bien. Le WebSocket, il était routé, ça se passait très bien. Donc, utilisez des message queues. Qui aujourd'hui a des message queues dans ses logiciels? On va en revenir plus tard au message queue. Il y a un autre truc, c'est que faire un cron avec des fichiers dans un répertoire, c'est pas une message queue, c'est une mauvaise pratique. Savoir qu'un événement a été émis parce qu'il y a un putain de fichier qui traîne dans un répertoire et que le cron s'est lancé et que du coup, ah ouais, c'est bon, je sais l'événement là, et puis quand j'aurai fini de le traiter, je délète le fichier, c'est pas un message queue ça. Ça, c'est pas du tout une bonne idée. C'est pas un job scheduler de faire ça. Donc, vous devez absolument level up sur la notion d'event bus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le web, ça devient un truc un peu plus temps réel. On va pousser des informations à l'utilisateur. On va faire de la data. Ce que j'expliquais hier sur les versionnings de data, aujourd'hui, on a une théorie qui est on va arrêter de supprimer la data, on fait plus d'update et de delete en base, on fait que d'append. Et puis on stocke tout et on verra comment ça se passe.
Et pour ça, en fait, vous vous rendez compte que tout votre process de data, c'est une putain de queue de message, en fait. Et du coup, bah, vous devez vous mettre à utiliser des queues de message parce qu'elles vous permettent de structurer autour de la data telle qu'on la voit maintenant, votre architecture logicielle. Écran, FS, c'est pas de la data. Ça fait chier ce téléphone à sonner. Bref. Vous devez être super intelligent sur le choix des data stores. En fait, il y a un vrai truc. C'est que les gens utilisent aujourd'hui la plupart du temps des DB qu'ils connaissent. Qui n'a pas le choix, qui n'a pas la main sur ses choix de DB? Parce que c'est les ops qui les ont. Ça n'a pas de sens. Vous avez les contraintes métiers, c'est les ops qui ont les choix de DB. C'est hyper intelligent de se dire, on va avoir plusieurs data stores dans une application. Avoir plusieurs DB dans une application, c'est une bonne chose. Vous pouvez pas tout stocker dans Redis, vous pouvez pas tout stocker dans Memcache, et il y a des choses pour lesquelles c'est très bien d'avoir une base SQL. Par contre, il est important de se poser des questions qui sont, est-ce que j'ai réellement besoin de l'atomicité de requête? C'est utile, c'est pas utile. Est-ce que les requêtes qui s'exécutent les unes derrière les autres, ça change quelque chose? Quand vous appelez Twitter, vous en avez rien à tamponner. Quand vous êtes dans un site marchand, vu qu'à d'un côté vous décrémentez les stocks, de l'autre côté vous... voilà, c'est pas mal que les requêtes soient atomiques. Enfin, au moins sur une portion du site. Est-ce que vous avez besoin d'accès concurrentiel en lecture? En lecture et écriture. Posez-vous réellement cette question-là. Est-ce que vous allez principalement écrire ou lire? Le truc qui stocke vos logs, vous allez beaucoup plus écrire dedans que vous allez le lire. Donc il faut qu'il soit bien optimisé sur l'écriture. La lecture, à la limite, il peut être lent, on s'en fout. Est-ce que vous avez besoin de relations entre vos éléments? Ça, c'est les mecs qui me disent, il n'y a pas de problème, on va tout passer sur Mongo. C'est hyper chiant de faire des relations en Mongo, les mecs. Si vous avez besoin de relations, utilisez une base relationnelle, sinon c'est chiant. Ou à la limite, utilisez un graphe si vous avez fumé de la weed, c'est pas un problème. est-ce que vous avez besoin de big capacity de storage? Si vous avez besoin de grosse capacité de storage, un truc qui fait de la RAM only, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai vu une fois une start-up. Amazon, c'est quand même les mecs qui ont 6 jours de down par an. Enfin, je vous le rappelle, parce qu'en général, les gens oublient qu'Amazon Web Service a un des plus mauvais temps d'uptime global sur l'ensemble des services de cloud et d'hébergeurs tout court. Et j'ai quand même connu une startup dont toute la valeur de la boîte, c'était la base utilisateur, qui était intégralement stockée dans une Redis qui n'écrivait pas sur le disque dur, sur Amazon. Les mecs, peur de rien. Et ils avaient 50 gigs dans Redis de user. Et la première fois Amazon allait se tomber la tête, ils perdaient tout. J'ai jamais compris. À un moment, j'ai débarqué, les mecs me posaient des conseils, je fais... Faites un truc pour backuper les datas, genre maintenant. Vous êtes ouf, les mecs. Ah, mais Redis, c'est hyper swag en ce moment. Ouais, c'est hyper swag, les mecs. Et est-ce que vous avez besoin d'autres disponibilités? Basiquement, si vous perdez vos sessions, c'est pas un drame. Enfin, posez-vous ces questions-là et choisissez un certain nombre de data stores qui vont avec ça. D'accord? Cette vision-là, vous devez savoir exactement où sont vos data et pourquoi. Et moi, je considère qu'une Event Queue, c'est un data store. D'accord? Là, il y a un truc qui est hyper important. C'est pas juste parce que je suis fournisseur de services en ligne, mais arrêtez de vous faire chier à installer les services sur votre machine. Utilisez les services en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous faire chier à faire ça. Est-ce que vous savez pourquoi la pile lampe est la pile lampe et pas la pile lap? Pourquoi Postgre a perdu face à MySQL pour les développeurs PHP? C'est évidemment pas les qualités intrinsèques de la database qu'on jouait. Hein. MySQL, Postgre, vous pouvez faire toutes les comparaisons du monde. Postgre est quand même tellement mieux architecturé, il n'y a même pas de discussion sur le sujet. Bon, on peut faire des choses très bien en MySQL, c'est pas ce que j'ai dit. En plus, j'en vends et elles sont très bien chez moi. Non, au-delà de la blague. En fait, les mecs qui codaient PHP à l'époque, ils n'ont jamais été foutus d'installer Postgre sur la machine. Du coup, ils ont choisi MySQL parce qu'ils pouvaient l'installer. Il y a des tas d'outils comme ça qui sont géniaux. Genre, React, c'est un super outil. Installer un cluster React, c'est super chiant. Ne basez pas votre choix d'une techno sur le fait que ça vous a emmerdé ou pas à lancer sur votre machine. Aujourd'hui, vous prenez une solution ops free, vous pouvez learn rapidement, starter et faire. Et en plus, la plupart des databases
existe avec une version gratuite. Enfin, si vous pointez sur Clever, vous avez des bonbons gratuits. Bah, évidemment, il y a un moment où on coupe l'accès. Si vous avez trop de data dedans, c'est on vous demande de payer, c'est logique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez tester Mongo sans vous faire chier à starter Mongo chez vous. Vous pouvez tester plein de solutions sans vous faire chier à les installer. Moi, aujourd'hui, quand je code, je ne fais même plus chier à lancer une Postgres sur ma machine. Hein. J'ai un truc génial qui s'appelle la 3G. Je suis dans le train 3G à taper sur la database qui est chez Clever. Ça va très bien. Et ça marche très très bien. Vous pouvez bosser avec des databases distantes. Au contraire, ça fera de la latence, ça vous obligera à coder bien. C'est fou le setup. Enfin, vous pointez la plupart des services, vous allez arriver, vous aurez rien. En deux secondes, vous aurez tout mis. Vous aurez une database qui marche, let's go. Et ça c'est une des nouveautés qui a beaucoup changé la vie des développeurs, c'est que maintenant, vous pouvez vous payer le luxe de dire, j'installe pas sur ma machine, je teste, et une fois que j'ai une application qui marche et tout, j'irai voir les ops en disant, ah, au fait, il y a du Cassandra. Parce que ils n'auront plus le choix, l'application elle marche, elle répond à un besoin, etc., machin, on va pas en discuter. Vous savez pas opérer du Cassandra, il y a machin, il le fait, ça coûte $200 par mois, basta. On va pas en faire un fromage. Essayez de calculer $200 versus le temps d'apprentissage de Cassandra, vous êtes rentable sur 2 ans, c'est... On s'en fout, faut y aller, quoi. Et c'est comme ça qu'il faut l'expliquer aux ops. C'est bon, ça fonctionne, me gonfle pas. Et si ça te plaît pas, va te faire former, et voilà. Moi, j'avais besoin d'une Cassandra. Non mais, enfin, c'est pas à eux de choisir la technologie. Donc, vous prenez des outils en ligne, vous prouvez que ça marche. Vous savez comment, c'est une discussion que j'ai déjà eue, alors c'était pas avec Nicolas, c'était avec quelqu'un d'autre de Flirtbiz. Est-ce que vous savez comment les plateformes de services sont rentrées dans les grosses boîtes? Ça commence toujours pareil. Le développeur qui en a marre, qui a besoin de déployer un truc rapidement, que ce soit chez Flirtbiz ou chez nous, c'est la même histoire. Le mec, il se pointe, il déploie une application sur notre cloud parce que c'est plus simple, parce qu'il a CDB, il a son runtime node, parce qu'il a whatever. Ça fonctionne. Là, il va voir son chef, il lui dit « Bon, c'est un peu compliqué, il faudrait que je fasse une note de frais en carte bleue, ça a coûté 15-20 balles par mois, est-ce qu'on peut gérer ça ?»« Ouais, si ça marche, c'est bon. » Blam, 15-20 balles par mois en note de frais. Et en fait, là, on est rentré. Et en général, ça se finit toujours par « On signe avec la DSI un accord qui dit que les mecs ont le droit de se lécher. » Parce que c'est tellement plus simple de procéder comme ça. Donc vous faites pas chier quand vous avez besoin de tester une solution. Prenez des outils en ligne et après vous dealez avec les ops. Mais une fois que la solution, vous avez testé, vous voyez que ça fonctionne. Il y a des erreurs hyper communes sur la scalabilité que j'aimerais vous éviter. Gérard de Pan. Arrêtez d'utiliser ce putain de file system. Un file system, ça peut pas scaler. Un file system, c'est ACID, c'est POSIX, c'est lié à une machine. On n'écrit jamais sur le file system. N'écrivez jamais un putain de fichier sur un file system, par pitié. Ça finit toujours super mal. Ça rend votre application super chiante à déployer. Vous pouvez pas faire un vrai système stateless. Il y a toujours un moment où ça va bloquer. C'est juste pas une bonne idée. Il y a 2000 solutions pour stocker des fichiers. La plus simple étant probablement d'utiliser un S3-like, le truc d'Amazon S3. Qui a déjà employé Amazon S3? Qui ne sait pas ce qu'est Amazon S3? Ok, Amazon S3, c'est pas très compliqué, c'est une API HTTP. Vous postez dessus, il maintient le fichier. Vous guettez dessus, il vous file le fichier. Vous avez des ACL sur les fichiers, donc les fichiers peuvent être publics. Par exemple, pour les portraits des utilisateurs dans une appli. Aujourd'hui, vous allez l'écrire sur un putain dans un putain de répertoire, ça va faire de la merde, etc. Là, vous uploadez juste la photo sur S3 et vous la foutez en public. À partir de ce moment-là, vous calculez, vous allez dans le framework d'S3, vous avez une fonction qui vous permet de calculer l'URL que ça renvoie. Et à chaque fois, vous foutez l'URL d'S3. Et c'est même pas votre bande passante de serveur qui va être affectée, ça va directement aller taper sur S3. Chez Clever, on a un clone d'S3 qui s'appelle Cella. Et on tape dessus avec le Amazon SDK. Mais il y a plein d'autres solutions. Vous avez des trucs chez OpenStack, un truc qui s'appelle Swift. Bon, les mecs ont codé un file system en Python, si vous avez envie de faire ça, votre problème. Mais il y a 200 solutions qui vous permettent de stocker des fichiers de cette façon-là. On appelle ça de l'object storage au global. Et par pitié, et ça c'est un peu le truc que j'essaye de buter depuis des années. Et là je sens que ça commence à arriver.
Et je pense que je vais pouvoir en parler. Et par pitié, pensez à ça. Le file system est le truc qui va tuer votre performance en day one. Donc commencez par le dégager. Foutez vos fichiers en bloc dans la DB si ça vous fait plaisir. Voilà. Ne foutez jamais vos fichiers dans GridFS de MongoDB. Juste simple recommandation. C'est un lac de performance, il perd des fichiers, machin, tout ça. C'est un hack sur le client. Ne mettez juste pas vos fichiers dans GridFS de MongoDB. C'est très bien MongoDB, mais pas GridFS. Il y a une erreur hyper commune. Les mecs me disent, ah c'est bon, on n'a aucun fichier, machin, tout ça. Par contre, ils m'ont calé la totalité des logs dans des fichiers qui écrivent sur des pauvres disques durs. Et du coup, vous êtes capé en termes de requêtes à ce que le disque dur il va être capable de chier comme log. C'est complètement con. C'est-à-dire que arrêtez d'écrire des logs dans des fichiers. Les logs, vous les baladez dans syslog. Et syslog, vous démerdez pour qu'il est centralisé. Si vous utilisez un pass comme Clever, je pense que chez CloudBees aussi, etc., c'est automatisé. Nous, on les centralise, on les stocke, machin, etc. Et on vous donne un display dessus. Mais sinon, c'est simple. Vous installez un logstash d'Elastic, de la boîte qui fait Elasticsearch. Vous allez choper David Pilato. Vous allez voir, logstash, ça marche très bien. Vous lui envoyez tous les logs et à la fin, vous avez un Kibana qui vous display tous les logs en temps réel. Il vous met les warns, les errors, les machins. Il vous fait des jolis stats. C'est parfait, c'est magnifique. Arrêtez d'écrire des logs dans des fichiers parce que vous pétez les performances de votre application au moment où vous le faites. Ce qui est hyper dommage. Essayez de réfléchir à un autre truc. C'est le streaming de data directement dans la database. Aujourd'hui, on a les trucs qui sont les programmations réactives. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont faire genre, je veux stocker un fichier. Je poste le fichier. Je le fous dans un fichier temporaire ou dans la mémoire. Je décide de le foutre dans un storage packer. Et à la fin, je dis stock hoc au client. Je comprends pas ça. Si vous avez un fichier de 4 gigas, ça va vous prendre une éternité, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, vous avez 2000 solutions et regardez toujours parce que ça existe dans la quasi-totalité des SDK maintenant de storage backend. Vous envoyez votre data en poste. Au moment où vous recevez la data, vous la balancez directement à la database. En flux, directement. Alors, passe que par la carte Ethernet. Et à la fin, vous disiez, au client, vous allez diviser par deux votre temps de chargement. Comme ça, c'est gratuit. Et en plus, vous éliminez un spot. Parce que si vous pétez la machine au moment où c'était en RAM, c'est la catastrophe. Et ça m'amène à un autre point qui est arrêter d'utiliser la mémoire comme database. Tout ce qui commence par variable globale partagée ou un cache dans le code, dans des HMAP par exemple dans le code, ou un usage un peu trop prononcé des sessions. Notamment en Java, j'ai vu des mecs coller leur session de connexion à la DB dans la session utilisateur. Excusez que si. Alors d'abord, vous aviez un cookie qui faisait 3 MB, mais en plus, si vous regardiez le cookie, en fait, vous aviez les mots de passe d'accès à la DB dedans. Une variable, c'est pas une database. Une variable, c'est juste un truc que vous devez utiliser de façon clean. La mémoire, elle doit être employée sur le scope d'une requête. Au-delà de ça, elle n'est pas employée, la RAM. La RAM, elle est stateless, encore une fois. Essayez de vous imaginer un truc deux secondes. Vous devez vous faire opérer. Il y a le médecin qui arrive, qui pousse dans le bloc opératoire, et là vous vous rendez compte que personne s'est dit que c'était une bonne idée de nettoyer depuis la dernière opération. C'est vraiment une variable, elle vit sur une requête. Parce que sinon, c'est pas clean. Vous voyez bien que c'est dégueulasse si on fait comme ça. Si vous cleanez pas votre environnement entre chaque requête, vous n'avez pas la garantie que pour la même entrée, vous aurez la même sortie. C'est-à-dire qu'une requête HTTP en théorie, c'est f de x égale x fois 2. Et ça, vous devez assumer que si vous envoyez 2 dans une requête HTTP, vous aurez 4 à la sortie. Toujours. Et pour ça, ça veut dire que vos variables doivent avoir un scope lié à la requête. C'est clair ce que je raconte ou pas du tout? En fait, si vous allez un petit peu plus loin et si vous avez fait un peu de programmation fonctionnelle ou des choses comme ça, une requête HTTP, c'est une putain de fonction mathématique. Et c'est tout. Et ça, ça vous garantit que si vous entrez des paramètres d'un côté, vous allez sortir la même chose. Il y a un truc qui est hyper important, c'est de respecter HTTP.
HTTP, c'est un protocole qui a été très très bien designé. Tous les trucs qui commencent par un GET et qui modifient les sessions sur les data sur le serveur, c'est pas possible. C'est lexiquement, donne-moi quelque chose, ouais, attends, t'inquiète, je vais aller nettoyer, virer ces trucs, etc. C'est pas possible. Vous êtes en train de détruire le protocole sur lequel vous êtes basé. Les verbes, ils ont un sens. Il y a un article qui est génial, que je vous recommande d'aller lire, qui s'appelle « Comment j'ai expliqué REST à ma femme ». Sur un site qui s'appelle pompage.net, qui n'est pas du tout un site à caractère pornographique. Et pompage.net vous fournira cet article-là, qui est très bien pour vous expliquer pourquoi il est important de respecter HTTP. Parce qu'il y a des tas de choses très positives qui vont en découler. Vous pouvez beaucoup plus scaler si tout le monde comprend votre application. Et si tout le monde comprend qu'un GET, il va faire que de la lecture, pour l'Ops qui va être derrière, c'est tellement plus simple la vie. Au pire, il colle un varnish dedans, c'est un GET. Pour les mêmes paramètres, je vous renvoie la même chose. Impeccable. Et ça, c'est des choses qui ne sont possibles que si vous respectez. Ça, c'est le temps que j'ai déjà causé, ça. Non, qui reste. Oh! Si vous respectez HTTP. Il y a un autre truc, si vous utilisez la mémoire, c'est que le code, il va toujours finir par cramer. Je connais pas d'application qui plante pas. En fait, moi je préfère les applications qui plantent, mais où c'est géré, le fait que ça plante. Donc les applications qui sont jamais censées ne jamais planter, et du coup quand elles plantent, tout le monde est en panique. Ah, ça plante. Donc le code finira toujours par fail. Et c'est pour ça que vous devez jamais vous servir de la mémoire vive comme database, parce que vous allez finir toujours par la perdre. Faites très attention à un truc, c'est ce que j'appelle la dark magic. Vous avez énormément de frameworks qui font des choses bizarres en backup. Je vous dis pas qu'il faut recoder tout soi-même, c'est pas du tout ça. Mais il y a certaines choses qui sont hyper impactantes sur votre code ou sur les performances. Ça vaut le coup d'aller se renseigner sur comment ça fonctionne. Prenons un exemple tout con. AngularJS, il vous fournit de la réflexion en JavaScript. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment ça marche? Et ben pour vous fournir la réflexion en JavaScript, AngularJS, il prend votre fonction, il fait un point toString dessus, et ensuite il fait du parsing pour compter les paramètres. Avec une expression de nucléaire. Voilà. C'est une idée. C'est typiquement ce qu'on appelle de la dark magic. Et le moment où vous avez l'idée de vous dire « Ah, je vais pas mettre d'arguments parce que en fait ils seront variables et je les compterai à la sortie », en fait, vous pétez le framework. Et ça, en fait, c'est hyper important d'aller vous renseigner sur comment fonctionne le framework derrière. Comment le framework qui gère tel truc qui a l'air magique. Il n'y a pas de secret. Hein. Quand ça a l'air magique, il y a toujours un secret dégueulasse bien en dessous. Toujours un moment où vous allez tomber sur un truc affreux. C'est le fameux problème avec MeteorJS où les mecs vous disent « Ouais, c'est génial, machin, il vous faut des sticky sessions. Ah, c'est génial, je vais pourrir tes cookies, en fait. » C'est hyper dommage. Donc, vous devez regarder ce genre de choses en vous demandant pourquoi ça marche comme ça et apprendre comment fonctionne la dark magic d'un langage. Apprendre comment fonctionne votre ORM, par exemple. Regardez ce que sort votre ORM. J'ai vu des ORM, enfin moi je me souviendrai toujours de la fois où j'ai une base de données qui est arrivée, les mecs me disaient ouais c'est une base de données en graph, c'est génial parce qu'en fait on génère machin tout ça, et soit on le met dans du HBase, soit on met dans du Postgre, soit on met dans du Flat5, vous allez voir c'est génial. Effectivement, la database a passé son temps à chier des fichiers XML grands comme as, évidemment après elle est foutue en blob n'importe où, ça je vous le confirme, du coup les performances étaient dégueulasses n'importe où. Et ça, c'est typiquement la dark magic mal maîtrisée. Et toi, tu récupères un truc où les mecs t'ont dit « Non, il n'y a pas de problème, ça tournera sur du HBase, Hadoop, machin, performance. » En fait, c'est un pot de pull, bordel. Ça ne pourra jamais avancer. Et du coup, là, c'est mauvais emploi de la dark magic. Donc faites hyper attention à comment ça marche derrière. Renseignez-vous vite fait. Est-ce que les mecs, ils ont fait un quick fix dégueulasse ou est-ce que ça fonctionne? J'ai juste eu trop de mecs qui ont débarqué et qui m'ont dit « Ouais, moi j'ai utilisé les trois technoswags du moment, donc je vais faire du Go et du Redis. » En fait, c'est quoi le projet qu'on doit coder? En fait, vous devez pas utiliser une technologie parce que vous l'aimez ou parce que vous la connaissez déjà ou parce que c'est hype. Vous devez juste utiliser ce qui correspond à vos besoins. Il y a des technologies qui correspondent à vos besoins et c'est simple. Essayez de balancer un truc.
la learning curve versus vous faire chier dans un langage qui est pas fait pour. Il y a des tris de collection. Si vous les faites en Java, ça va vous prendre 500 lignes de code, ça va être une performance dégueulasse, c'est hyper chiant. Vous passez en Scala, vous mettez un seul fichier Scala dans votre projet, et la collection, vous pouvez la trier en SAT code, ça passe très bien, et vous parlez avec du Java, il n'y a pas de problème. Et là, en fait, vous allez apprendre des trucs nouveaux et éviter de créer un neat bug. Il y a une théorie chez Clever, c'est qu'on empêche les bases de code de grossir. Quand une base de code devient trop grosse pour faire autre chose que gérer du code métier, mais pour gérer de l'IO, du machin, du etc. Un truc qui est pas métier, mais qui est gérer de l'IT. Ça veut dire qu'on est en train de faire un truc que je déteste, c'est de créer des monstres. C'est-à-dire qu'on est en train de créer... On est en train de créer un truc qui a pas de sens. Vous avez différents patterns, différents langages, il faut savoir bouger de l'un à l'autre. Faire des miniatures en Java, c'est relou. Les faire dans à peu près n'importe quel langage qui a des bindings binaires directs, comme Ruby, Node, Python, Go, c'est hyper simple. Foutez ça avec une MQP qui lui parle, le bordel est capable de parler avec S3, vous prenez le langage qui vous plaît, ça va vous coûter 30 lignes de code, c'est réglé. Et vous évitez de faire du exec en système pour faire je sais pas quoi qui exécute l'image magique machin. Et après vous allez faire chier les ops en disant ouais mais attends il me faut la version d'image magique bordel truc et tout. Ça fait chier tout le monde. Utilisez l'outil qui correspond à votre besoin. À un instant T, il y a des outils qui ont été conçus. Apprenez-les. C'est plus simple d'apprendre des nouveaux outils et c'est bien plus amusant que de se faire chier avec les pas bons outils à créer n'importe quoi. Et en fait, vous devez toujours penser... Comment je pourrais me démerder pour sortir les choses du code? Nous, on a un principe, c'est qu'on met toutes les hard computations en async. Dès qu'un truc va prendre du temps d'exec, je me démerde pour que ce soit jamais dans le truc qui gère les requêtes HTTP. Pourquoi? Parce que j'aime bien que mes programmes, et ce qui gère une requête, aient toujours, au global, un temps d'exécution similaire. Parce que pour répartir la charge, si vous avez un truc qui renvoie toujours 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est simple. Si vous avez un truc qui renvoie entre 1 et 70 en termes de temps, c'est hyper chiant, parce qu'il y en a un truc qui va d'un seul coup se faire méga charger. Au moment où vous allez arriver pour le sauver, en fait, il sera déjà sauvé. Il s'en fout, il avait juste une hard computation à faire. Et c'est pour ça que c'est très important de répartir la charge sur des trucs qui sont capables de gérer un instant T. Donc vous devez vous dire, si là j'ai un gros calcul à faire, machin, je vais sortir dans autre chose, éventuellement coder dans un autre langage, et comme ça la hard computation elle va avoir lieu dans un autre truc. Et le bordel qui renvoie 70, il ne fait que du 70. Donc c'est bon. Sur votre Nagios, vous allez voir un truc qui ne fait que des 70, tout va bien. Il passe à 5, c'est chelou. Il passe à 180, c'est chelou. Et donc là, vous pouvez agir. Et ça, c'est très important ici de vous dire que chaque requête, chaque exécution que vous demandez en fait à un programme, elle doit essayer d'être semblable sur l'ensemble de ce problème-là. Et sinon, vous créez des modules. Faire une application en tant que module, c'est une bonne chose. Des petits modules, des microservices qui parlent les uns avec les autres, via l'intermédiaire d'une queue, vous avez MQP pour faire de l'événementiel, vous avez HTTP pour faire tout le reste, c'est réglé. On a tous les protocoles, c'est simple à faire, tout le monde parle ce langage-là dans le monde des langages. Vous pouvez utiliser plein de plateformes, et comme ça, vous avez la meilleure technologie à chaque fois pour vous focusser sur le problème. Il y a des trucs, si ça se trouve, vous les codiez, je sais pas moi, en Erlang. Mais vous n'avez jamais envie d'écrire toute votre application en Erlang. C'est hyper chiant à faire. Mais si vous avez un truc que vous avez besoin de le faire en Erlang, bah faites-le en Erlang et faites-le communiquer avec le reste via de la MQP ou de l'HTTP, ce sera beaucoup plus simple. Et en plus, vous allez réduire la base de code. C'est-à-dire que la base de code, plus elle est grosse, plus vous avez des chances qu'il y ait des bugs dedans. Dans 100 lignes de code, c'est beaucoup plus chiant de planquer un bug. C'est exactement la philosophie Unix. CP, ça fait CP. C'est Kiss, Keep It Simple and Stupid. Et ça fait pas CB, MOV, fais-moi un café s'il te plaît. Ça fait qu'une seule chose. Donc gardez vos bases de code les plus petites possibles et faites des modules qui interagissent entre eux et qui sont vus comme des services par les autres. Comme des clients. C'est un peu le retour de SOA, mais on le dit pas trop. C'est genre, parce que les clients, maintenant, ils sont là, genre, non, SOA, je veux pas, ça va causer une blinde. C'est bien parce que j'ai déjà fait ce truc-là. C'est très important de se dire, si j'ai des modules, j'ai une boîte à outils dans laquelle j'ai tout. Je vais pouvoir me dire, il n'y a pas de problème,
Et c'était un coffret collector chez Rammstein, et c'était les... En fait, c'est un moulage du groupe, en fait. Bah, boîte à outils, quoi. Et en fait, c'est très important de vous dire que vous prenez le bon outil au bon moment. Vous avez déjà essayé de visser une putain de vis avec un marteau. Mais c'est ce que vous faites tous les jours. Quand vous faites tout dans un seul langage, y compris les trucs qui ne marchent pas, c'est ce que vous faites. Ça n'a pas de sens. C'est comme les gens qui me disent « Moi, je veux plus jamais utiliser la ligne de commande. » Les gens qui disent « Moi, je veux plus jamais parler que par dessin. » Je vous donne un défi. Les mecs qui vous disent « Une ligne de commande est toujours plus claire, enfin, une graphique à l'interface est toujours plus claire qu'une ligne de commande », je vous donne un tout petit défi. Essayez de me faire un dessin qui dit exactement « Ce matin, j'ai mangé une pomme à 7h. » Bonne chance, les mecs. Pour le dire clairement, c'est impossible. Pour le dire sans ambiguïté, c'est impossible. Une phrase, elle fera mieux le taf. Et ben la GUI et la CLI, c'est exactement la même chose. Parfois, il vaut mieux une ligne de commande, parfois une graphique à l'interface. Focussez-vous sur des bons outils. C'est pas grave d'apprendre. Apprendre, c'est cool. Au contraire, ça vous fait progresser, vous serez payé plus cher plus tard. Faire que des modules comme ça qui parlent entre eux, ça a un autre super intérêt, c'est que vous pouvez scaler la team. C'est-à-dire que votre équipe, du coup, n'est pas obligée de passer son temps à se concerter pour savoir qui touche à quel morceau du soft. Vous en foutez, vous avez des contrats de service. Les mecs, à la limite, ils se parlent jamais, c'est aussi bien. La team de Clever, elle est partie sur plusieurs fuseaux horaires. Il n'y a jamais de meeting avec tout le monde. Nous, on écrit des issues dans un GitLab, on envoie éventuellement des mails de conception où on réfléchit. Il y a un wiki où on fait de la certification entre nous, des trucs un peu pompeux. Mais les mecs, il n'y a jamais un moment où ils se posent, on a table, ouais, machin, toi t'as le droit de faire ça, 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 ça. Ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Ça permet de scaler la team, parce que chacun s'occupe de ses microservices. Et ça, c'est très important, parce que vous allez aller plus vite et vous serez plus heureux. Et ça a un autre impact, ça vous permet d'utiliser le pouvoir du « rewrite everything ». Je m'explique. En fait, si vous réfléchissez au truc, si vous avez une petite codebase, que vous avez le droit d'utiliser plusieurs technologies, vous pouvez killer le legacy au fur et à mesure. Parce que, si vous y réfléchissez bien, dans votre taf, ce qui est important, c'est de comprendre le problème. Et comprendre le problème, ça vous permet d'agir avant qu'il ait lieu. Je vous donne un exemple. On avait une brique qui gérait le reverse proxying événementiel chez Clever, codée en 8-9 mois. C'était un tas de boue, cette merde. Ça plantait, ça faisait de l'OM, on avait de la dispersion de la data. Le truc, il se désynchronisait d'un nœud à l'autre, c'était atroce. Puis en plus, quand vous plantez sur reverse proxying, vous avez le site d'une banque qui prend un site de GUI, c'est génial. Le client, il est là. Impeccable. Du coup, c'était vraiment un tas. Et on l'avait en prod en se disant, on y a passé 9 mois. Et en fait, le mec qui devait le maintenir un soir a pété un câble et a dit, genre, c'est trop une merde, et il a tout réécrit en 10 heures. Il a mis en bêta le lendemain, il s'est rendu compte que ça marchait pendant 4 jours, on l'a foutu en prod, on n'en a plus jamais entendu parler. Pourquoi est-ce qu'il avait réussi à faire le boulot mieux en 10 heures qu'en 9 mois? Parce qu'il connaissait tous les problèmes. Parce que le design pattern qu'on avait fait 9 mois plus tôt, il n'était pas une bonne idée. Parce qu'on avait trop évolué, parce qu'on avait découvert trop de problèmes en le faisant. Parce qu'on avait compris quel était le réel objectif du soft en le faisant. Et du coup, il connaissait déjà tout. Donc tout réécrire, en plus pas dans le même langage, parce que du coup on s'était rendu compte que c'était pas nécessairement le choix le plus judicieux qu'on avait fait. Tout réécrire a été extrêmement court parce que la valeur c'était le mec et ce qu'il avait dans la tête et sa capacité du coup à développer rapidement une solution au problème. Et ça, si vous avez des petites codebases, c'est pas gênant de dire qu'on va tout réécrire parce que ça vous prend que quelques jours et ça vous permet de buter le legacy. Toutes les briques que vous voulez ne plus maintenir, c'est pas grave, on va tout réécrire, ça sera plus rapide. Et surtout, il y a un autre truc, c'est que ça rend les gens heureux. On va tout bazarder, tu vas tout réécrire, c'est ton projet, t'es heureux de le faire. Vous êtes content quand vous lancez votre IDE? Tout le monde est enthousiaste du « on va d'un nouveau projet, hop, tu réécris tout, tu vas voir, ça va faire ». C'est les mêmes specs que l'ancien, juste maintenant t'es plus skillé, tu sais mieux le faire et tu peux changer de techno. Et ça, ça rend les gens beaucoup plus heureux. Et ça, vous pouvez le faire si vous n'avez que des petits modules. Il y a des petits modules, on a réécrit en Go, juste pour s'amuser. En fait, on les a déjà foutus en prod, mais on s'en fout. On a appris suffisamment en le faisant. C'était intelligent comme d'hab. Il y a un truc que je comprendrai jamais. C'est les boîtes qui ont le serveur sur lequel on va déployer. Il n'y a pas de doc, il y a un mec qui sait comment ça marche.
Ah ouais, non, mais là, faut que tu rentres dans le screen ou dans le Temux. Tu fais ton SCP et, non, mais on a foutu des GID sur les trucs. Et... ça, c'est à se tuer. Parce que si vous avez un problème de scalabilité, si vous prenez du feu, si vous prenez de la, du huge load, vous êtes incapable de grossir. Parce que ce que vous avez construit, c'est un tas de bouts complexes. Et un tas de bouts complexes, c'est très difficile à répliquer. Vous devez absolument, d'abord, quand vous utilisez des process de déploiement et un build system. Utiliser le build system de l'IDE n'est pas un build system. Un build system, ça s'appelle Maven, ça s'appelle NPM, ça fait ce que vous voulez. Mais vous devez utiliser un truc qui vous permet de dire, si tu lances ça, run, ça va tourner. Et ça, c'est hyper important. Après, un bon process de déploiement pour moi, c'est git push. Fin d'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez déployer en faisant juste git push? Bah ça, je trouve ça hyper dommage. J'ai jamais compris pourquoi les développeurs devaient se faire chier à faire un SCP machin, envoyer un mail à bordel, etc. Vous avez un truc à déployer, vous faites git push, fin d'histoire, ça tourne. On se pose pas de questions. Enfin, nous, chez Clever, c'est la philosophie qu'on a. Parce que le développeur, il doit se focusser sur taper du code. Il doit pas se défocuser sur, ouais, machin, faut envoyer le tar, un bidule. Ça n'a pas de sens. Les gars, on a du travail, git push, basta, c'est pas mon travail. Et ça, ça vous permet de déployer. Et ça, c'est valable pour 2000 solutions. Hein. Vous avez des solutions internes qui peuvent le faire, vous utilisez des solutions externes, whatever. Ce qui est important, c'est que dans la tête des gens, ce qui soit compris dans la boîte, c'est moi, je ne vais pas faire de SCP, je ne vais pas t'envoyer un mail, moi, je vais faire un git push. Et après, derrière, démerdez-vous comme vous voulez. Si vous voulez absolument que ce soit un ops qui le fasse, très bien, j'envoie un git push sur la bonne branche, ça va coller un mail à l'ops et il se démerde. Mais ce n'est pas mon taf de me demander qui déploie, quand, pourquoi. Parce que moi, ce que je dois faire, c'est shipper du code. Si vous avez un truc qui est propre en termes de build system, vous pouvez facilement vous barrer en cas de problème. Et ça, c'est hyper important. Vous devez pouvoir vous dire, si aujourd'hui, je suis day one dans la boîte, c'est ma premier jour dans la base code, et que j'ai besoin d'installer le serveur, qu'est-ce qu'il me faut? Est-ce que je peux faire le truc en 4 lignes de commande? Fin d'histoire. Et ça, si vous le faites, ça veut dire que vous êtes prêt à faire du load un peu massif. Il y a un truc qui est simple, c'est les gens s'énervent facilement quand ils ont un peu de load et que ça fonctionne pas, etc. En fait, il faut rester cool. Nous, on a pris énormément de load. Au début, on était là genre, ah, bah non, on est très cool. Mais si ça merde, c'est pas un problème. On refait le schéma au tableau tranquillement, on se dit, tiens, ça merde ici. Les mecs, en général, ils paniquent complètement. Alors, il y a une première chose qui permet de pas trop paniquer. Utilisez toujours un putain de reverse proxy. Mettre votre application en direct sur le web, c'est hyper dangereux. Parce que le reverse proxy, c'est un passe-plat. Vous êtes en train de cramer tout. Vous faites exactement ce qu'expliquait le mec de Kelby il y a un instant. Vous vous redirigez vers un site qui dit « On a un problème, tu peux nous laisser ton mail, ça va bien se passer, etc. » Et pas, on ne te répond pas. Ça, vous pouvez le faire avec un reverse proxy. Vous avez énormément de load et vous êtes capable de scaler, vous rajoutez des box, vous dites au reverse proxy de scaler, il peut le faire, il n'y a pas de problème. Et ça ne va même pas interrompre le service. Vous devez mettre à jour votre application pendant que ça tourne, vous startez une nouvelle box, startez la nouvelle version de l'application, vous dites au reverse proxy d'aller sur la nouvelle version de l'application, vous éteignez les anciennes box. Ça, vous pouvez le faire avec un reverse proxy. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas mettre de reverse proxy en frontale de votre application web. Il y a un jour, ça vous sauvera la vie. Ça m'a sauvé la vie des milliers de fois. Vous devez toujours utiliser un reverse proxy sur votre serveur. C'est le truc le plus incroyable du monde en termes de sauvage de vie. Et ensuite, vous devez utiliser les autres protocoles. Le nombre de gens que j'ai vu se faire chier à faire un service à qui tu demandes sur quel serveur faudrait taper et ensuite qui, dans leur Ajax, tapent sur le bon serveur pour machin, bon, foutez les mecs. Il y a un truc qui s'appelle DNS. DNS, vous pouvez faire 2000 trucs avec. Vous pouvez faire, je vous envoie une IP en fonction de la géolocalisation. Je vous envoie une IP aléatoire parmi un pool d'IP. Je vous envoie plusieurs IP aléatoires et tu vas taper sur celle que tu veux. Je t'envoie plusieurs IP aléatoires, tu vas taper sur celle que tu veux parmi un pool de 100 IP et moi je te tape celles qui en fait sont les moins chargées. Ça, vous pouvez le faire avec DNS. C'est des services qui sont pas chers, vous prenez 10 DNS, ils font très bien le taf. Et du coup, vous allez avoir plein de trucs qui vont gérer de la scalabilité pour vous à votre place. Out of the box sans vous emmerder avec juste le DNS. N'hésitez pas des fois à élargir votre champ d'investigation. Les gens pensent jamais à aller taper les autres protocoles plus bas niveau
pour obtenir de la perf. Mais pourtant, c'est une super bonne solution. Et pour finir, vous devez absolument choper des métriques et des bugs. Quand vous allez être sous le feu, si juste ça plante, mais que vous n'avez pas de log, vous ne savez pas où ça a craché, pourquoi, ça ne sert à rien. La prochaine fois que vous serez sous le feu, ça va recracher. Donc dans votre application, vous devez coller des logs, etc. Et loguez surtout pas dans les fichiers, vous cramez la machine, vous êtes incapable de la rebooter, c'est sur le fichier de la machine. Vous avez un centralisateur de logs. En plus, vous avez des services maintenant en ligne qui le font très bien. Ça va vous coûter 15 balles par mois, fin d'histoire, centralise vos logs à votre place, ils le font très bien. Et donc, du coup, vous devez absolument avoir énormément de métriques sur tout ce qui se passe. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques éléments sur comment jouer avec la scalabilité. Et maintenant, je suis disponible pour vos questions. Et j'ai oublié de créer je peux vous créer un coupon si vous voulez pour si vous tapez BZDashCamp en tant que coupon sur Clever, ça marchera dès que j'aurai fini la conf et que j'aurai pour ceux qui veulent tester. Oui. Moi je reviens un peu sur ce dont tu parlais, le fait d'utiliser de la magie noire. Les frameworks magie noire, est-ce que vous avez ressorti dans vos projets que vous gérez des technos magie noire qui posent plus de problèmes aux développeurs ou ça dépend c'est... En fait, la magie noire, en fait, c'est toujours. Il faut toujours comprendre comment ça marche. Certes, une fois que tu sais comment ça marche, ça pose moins de problèmes. Ça dépend, genre. Un ORM peut devenir la pire magie noire du monde s'il est mal configuré parce que t'avais des données un peu bizarres et qu'en fait il fout tout en log dans la base de données et du coup en fait ta base de données c'est un gros paquet de binaires et dès que tu fais une recherche dessus c'est pourri. Ou juste tu utilises un ORM, du coup tu te réoccupes jamais du SQL et t'as juste complètement oublié de mettre un @indexed sur une de tes colonnes et en fait tu passes ton temps à faire des recherches triées par cette colonne-là. Et en fait, tes requêtes SQL, elles font 8 secondes à chaque fois, et tu vas dire, oh, c'est bizarre, c'est bizarre. Alors qu'en fait, elles pourraient être à 80 millisecondes. Il suffirait de mettre un @indexed pour qu'elles le soient. Et je pense que c'est ce type-là de machine noire. C'est le moment où tu te dis, ah, c'est marrant, ça marche tout seul. Et que du coup, tu remets jamais en cause que ça peut être le ça marche tout seul qui fait n'importe quoi. Ou que t'as mal employé. Et aussi, des fois, c'est toi qui es fautif. Pour les ORM, c'est souvent c'est toujours les développeurs qui sont fautifs. Donc, par exemple, les mauvaises pratiques qu'on sait qu'hibernate, c'est du Java, c'est pas du SQL, et pas avoir dans l'idée qu'il faut faire des requêtes, il faut faire des bits, il faut faire des upgrades, comme on fait en SQL. Et donc, c'est un exemple d'outil que les développeurs ont dans leur poche, mais ils n'ont pas envie d'apprendre à l'utiliser, c'est des développeurs Java, et ils veulent développer du Java, ils veulent pas se poser de questions, forcément. Je pense qu'ils ont même pas envie de l'employer. C'est surtout qu'en fait, pour eux, on me dit, il y a un truc qui marche, qui fait le taf, et tu te dis jamais, si ça se trouve, je suis en train de faire n'importe quoi avec. Parce que, pour toi, la brique, notamment Hibernate, on l'a tellement porté au nu, cette brique, que jamais tu te dis, en fait, c'est le bordel qui est en train de plomber les performances de mon application. Mais c'est pas la faute d'Hibernate, hein. C'est en général la faute de ton usage d'Hibernate. Parce que tu sais pas très bien l'employer, parce que t'es pas dans le bon cas d'usage, parce que du coup, tu fais du Hibernate, t'as complètement oublié tous tes cours de SQL avant. Et Hibernate, il est juste là pour te faire du mapping sur ton SQL. Derrière, faut quand même que tu penses à ce qu'il est en train de vendre en SQL. Et après, il y a quelques années, j'utilisais toujours Hibernate parce que je faisais des projets de service et à la fin, je les livrais aux clients. Et du coup, ça me paraissait complètement con de pas livrer un truc avec pas un ORM pour pouvoir changer de DB, etc. Aujourd'hui, chez Clever, les codes qu'on fait chez Clever, les trois quarts du temps, on tape le SQL nous-mêmes, parce qu'on est beaucoup plus précis, parce qu'on s'en fout. C'est livré pour nous, et derrière, on sait quelle version de PG, avec quels add-ons, avec quel machin on va employer. On a des requêtes qui sont au global meilleures, parce que on sait employer des fonctions qu'on peut pas triquer dans Hibernate, parce que le bordel, il est pas fait pour ça, tu vois. Et quand je dis utiliser les bons outils, c'est ça, c'est quel est votre cas. Si en fait, vous avez la main sur la continuité de la chaîne de bout en bout, et que vous savez que vous allez avoir des trucs un peu chelous à faire en SQL, prenez pas d'ORM dans ces cas-là. Parce qu'en fait, il va plus vous emmerder qu'autre chose. Donc, voilà. C'est ça la dark magic, c'est ne pas prendre des choix aussi, genre, tout le monde fait ça, je vais faire ça. Des fois, il faut faire autrement. C'est ça qui va sauver votre appli.
parlait de microservices tout à l'heure, tu disais on ne se réunit pas pour définir toi t'as pas le temps de faire ça. Donc qui sait en fait comment vous êtes organisé pour savoir tel service il expose ci ou ça, et, enfin, pour que tous les microservices marchent ensemble et que chaque, dans la continuité pour qu'à la fin ça fasse pas chacun fait ses petits trucs dans son coin et que personne ne sache que ça évolue trop vite ou... La mise en cohérence en fait de tous ces microservices, comment vous organisez pour gérer ça? En fait, quand quelqu'un a besoin qu'un microservice dise quelque chose, il balance une issue en disant « moi j'aurais besoin de ça ». La personne qui tient le microservice peut éventuellement dire « ouais, moi je pense que c'est pas à moi de le faire, c'est à bordel de le faire ». Donc là, en général, la conversation se voit et on finit par en discuter. Ou si la conversation se voit pas dans l'issue, on a un mail qui passe genre « ouais, comment j'aimerais ça ?» Chacun donne son avis, etc. Mais on essaie de jamais faire les choses dans l'urgence, ça passe. Si on doit passer une semaine à discuter d'un truc, on passe une semaine à discuter d'un truc. Parce qu'on sait que c'est une évolution qui sera mise en prod dans 2 mois et que du coup, bah, on peut passer une semaine à discuter d'un truc. Parce que les gens sont multi-projets aussi, donc du coup, bah, quand ils sont bloqués sur un projet, ils passent sur un autre. Et surtout, en fait, les contrats de service sont assez normés, notamment on utilise WADL et compagnie. En fait, quand les contrats de service doivent évoluer, bah, les gens les demandent, et comme tout est versionné, bah, ça se voit. Et au global, c'est plutôt bah, quand quelqu'un a besoin d'une info qui est soit display ou quand on a besoin d'une feature, ça devient une issue. Et l'issue, elle est discutée, elle est normalisée comme ça. Sauf quand on doit faire un gros ensemble de fonctionnalités, là, il y a un mec qui réfléchit, qui prend un document long comme ça sur le sujet. Et puis derrière, on normalise, mais il y a un mec qui réfléchit à l'archi, qui prend un document, pas nécessairement un style empoulé ni rien, il dit juste. Voilà, on a besoin de faire ça, ça va fonctionner comme ça, c'est ça, le process qui va se produire, c'est ça, 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 ça. Du coup, il y a tel service impliqué, ce qui va impliquer que tout le monde fasse ça. Maintenant, on définit les contrats de microservices que ça implique, et démerdez-vous pour les implémenter à un moment. Ce serait bien que ce soit release pour le temps. Et après, chacun démerde dans son coin, et au bout d'un moment, on met en commun. Nous, on fait plusieurs dizaines de mises en prod par jour. Donc, il y a des trucs qui partent, il y a des points aujourd'hui dans l'API de Clever qui seront employés réellement pour les utilisateurs de façon visible probablement en 3 mois. Parce que le mec qui gère l'API, il avait du temps dans son truc, il a pris les issues qui n'étaient pas urgentes, il a regardé ce qu'il y avait à dépiler, il les a benchés, basta. Comme ça a été close, il y a une milestone qui représente un ensemble de features qui a été close. Tout le monde a été notifié, du coup le mec qui fait l'interface, il est notifié, moi je trouve que là il a du taf, il a autre chose à foutre, il le fera plus tard. Et c'est assez comme ça en fait. Puis bon bah quand on a besoin d'un point de vue business sortir un truc, pique une gueulante pour que tout le monde se concentre sur un truc. No more questions? Le fait d'avoir plein de langages, potentiellement beaucoup de langages, ça vous pose jamais de problème si y a un gars qui est absent, par exemple, c'est le seul gars qui maîtrise le Go, et il y a un problème sur le... Il n'y a jamais un seul gars qui maîtrise une techno, et en fait, c'est comme les langues étrangères, plus t'en fais, plus c'est simple. C'est-à-dire que plus tu fais de langage, plus c'est simple. Après, il y a des patterns. Alors, le moment où tu passes au pattern fonctionnel, tu te fais du mal. Mais une fois que tu le connais, que tu fais du Scala, du Haskell, change pas grand chose à ta vie, quoi. D'ailleurs, le site de Clever est codé en Haskell. Voilà, un peu la grosse blague, à un moment, on nous a dit est-ce que vous oseriez le faire? Ouais, on l'a osé. Le site de Clever, c'est du Haskell. Et en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est une fois qu'on a au moins un tiers de l'équipe capable de gérer un langage, on considère qu'il est adopté. Après, chacun se démerde pour se mettre à jour dessus. Après, oui, tout le monde n'est pas expert dans chaque chose, mais ça me paraît compliqué, moi, de dire à des gens. Je suis capable d'héberger ton Python, je suis capable d'héberger ton Go, je suis capable d'héberger ton Ruby, ton Node, ton Java, ton Scala, ton PHP, et ne jamais avoir à maintenir de projet dessus. Parce qu'en maintenant des projets dessus, etc., je reste contacté avec la communauté, je sais ce qui se passe, je vois les failles passer, etc. Et ça m'oblige à me mettre dans la peau du développeur. Et ça m'oblige à des trucs qui sont tout cons, mais par exemple, on n'a pas fait de web Ruby, on faisait beaucoup de scripting Ruby. Du coup, pendant longtemps, le support Clever de Ruby n'était pas top. Pas parce que c'était mal réalisé techniquement, mais c'est parce que c'était pas pensé comme un développeur Ruby le penserait. Et un développeur Ruby, il doit le penser d'une certaine façon. Et en fait, quelque part, c'est du design d'interaction appliqué au développeur. Chaque langage, chaque communauté a sa façon d'interagir, et si tu la respectes pas,
bah les mecs ont du mal. Typiquement, un mec qui connaît mal Scala, il pourrait se dire, ah bah j'ai vu Maven Scala, les mecs ils doivent pouvoir build dans Maven, moi je fais un truc qui supporte le Maven. Puis ça, la communauté Scala, les mecs ils te regardent, ils se disent, non, on utilise SBT, ça a pas de sens ton truc, mon garçon, on peut pas faire ça. Mais pour ça, pour s'en rendre compte, bah, c'est pas mal d'utiliser SBT. Donc, voilà, c'est un peu la théorie là-dessus. Oui, ça nous bouffe du temps, mais d'un autre côté, c'est du temps qui est utile pour le métier. Donc voilà. Et puis, c'est quand même beaucoup plus fun. Là, maintenant, on est à fond sur Rust. Bon, pour l'instant, il n'y a rien codé en Rust chez Clever. On est à fond sur Rust. Je trouve ça super cool comme langage. Je sais pas quand est-ce qu'on foutra du Rust en prod, mais c'est un truc. C'est, ça nous permet d'avoir une vision du coup de développement des langages, etc., qui est vachement forte. Et du coup, des fois, d'importer des choses d'un langage à l'autre, parce qu'on est assez cross-langage. Et au global, apprendre des nouveaux langages, c'est pas compliqué. En fait. C'était quoi le problème de licence que tu parlais sur .NET ? Le problème de licence qu'on a sur .NET, c'est qu'on ne peut pas acheter de licence à la dizaine de minutes à Microsoft. Sur Clever, on bill en fait les gens par dizaine de minutes de run. Parce que le positionnement de tout le monde dans le cloud, c'est pay only what you consume. Mais nous, on dit pay only what you consume, consume only what you need. Parce que c'est un peu différent des mecs qui disent, ouais, c'est toi qui dis combien t'as besoin. Oui, mais tu sais évaluer combien t'as besoin en hosting. Moi, je connais bien la façon dont tout le monde évalue l'hosting depuis des dizaines d'années. C'est, on a besoin de 4 serveurs. C'est pas pour rien qu'il y a à peu près 20% des ressources d'un serveur qui sont employées en moyenne. C'est la statistique mondiale, c'est un serveur, on utilise en moyenne 20% de ses ressources. C'est complètement débile. Et du coup, nous, on bill à la dizaine de minutes. Et si on met en place .NET, on doit pouvoir biller. Je vais pas me faire chier à acheter 8000 licences .NET et Microsoft et en cash out. Moi, je veux faire un revenu cher là-dessus. Si j'utilise du produit Microsoft 10 minutes, je leur file 10 minutes de produit Microsoft. Et ça, chez eux, pour l'instant, ils ne savent pas le faire. Donc voilà. Après, tu peux essayer de faire tourner sur Clever, tu peux faire tourner du .NET dans Mono et tout, mais voilà. Et il y a un autre truc, c'est que fournir du .NET sans fournir de SQL Server, je vois bien l'intérêt. Enfin, les gens qui développent en .NET ont une facilité de lier leur application à SQL Server. Et si je leur dis, ouais, y a pas de problème les mecs, vous avez .NET sur Microsoft, par contre ce sera MySQL, ils vont me regarder, ils vont me dire, mais t'es fou, nous on a tout codé pour SQL Server, on peut pas migrer chez toi. Ce qui implique du coup que je trouve des DBA SQL Server, qui sont pas du tout les DBA PG. Culturellement, c'est pas les mêmes. Donc ça veut dire qu'il faut que je recrute les bons mecs pour ça et tout, et là tout de suite j'avais pas le temps, et plus le problème de licence et tout, on a préféré se concentrer sur tout ce qui tourne sur Linux. No more questions? Bon, pas cool!